Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche et bienvenue au Maroc à l'occasion de la deuxième édition du Flamme. J'ai la chance d'être aujourd'hui en compagnie du grand penseur et philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Alors le Flamme, donc le Festival du livre africain de Marrakech, fait se rencontrer et réunit des Africains du nord au sud du continent. Mais peut-être avant tout, vous allez me dire ce que vous en pensez, fait changer un peu de perspective quand on parle du livre ici en Afrique. En effet, la créativité africaine est là, elle est très bien représentée. Et cette manière de conjuguer ensemble en terre marocaine les imaginaires venant de tous les coins, des quatre coins de l'Afrique, c'est vraiment simplement merveilleux. Et donc se trouver ici, dans cette ville qu'on appelle la Porte du Désert, qui est une espèce de centre de gravité à l'heure actuelle de la créativité africaine, c'est un bonheur pour moi. D'ailleurs, c'est le thème du festival, le thème qui nous réunit, tourne autour de ce décentrement du monde et qui signifie aussi une forme de recentrement de l'Afrique sur elle-même, une réflexion sur un monde tissé de récits multiples. Il n'y a pas seulement le récit de l'Occident auquel il faut s'accrocher, il y a le récit africain de soi, et puis aussi il y a le récit africain du monde, c'est-à-dire que l'Afrique ne parle pas seulement d'elle-même, elle parle du monde dans sa totalité, simplement elle le fait depuis elle-même, depuis sa propre perspective. Et vous avez d'ailleurs donné le coup d'envoi du festival avec la leçon inaugurale de cette deuxième édition sous le titre « Penser un récit africain du monde ». Ça m'a fait réfléchir à une citation que j'ai trouvée de vous. Vous dites « La vision qu'on a de l'Afrique est en retard par rapport à la réalité des choses ». Cette image résiste, l'image d'une Afrique qui serait une Afrique lente, une Afrique immobile, une Afrique des campagnes, des villages, etc. Et il faut prendre toute la mesure du bouillonnement à l'heure actuelle qu'est l'Afrique. Sur le simple plan démographique, l'urbanisation qui va à une vitesse folle, on le sait, les plus grandes villes au monde, dans une génération, se trouveront sur le continent africain. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Et c'est ce que j'appellerais des intensifications urbaines, ça signifie aussi des intensifications sur le plan de la créativité, sur le plan culturel. Et l'Afrique vit ce moment-là, ce moment de bouillonnement qui va avec les problèmes que l'on sait, mais qui porte également des promesses importantes pour le futur. Et on le sent. Un festival comme celui-ci permet de prendre un peu le pouls du continent en général et de sentir les germes de changement, de sentir les directions dans lesquelles l'Afrique est en train de s'engager. Alors la littérature africaine transcende évidemment les frontières grâce à ses diasporas, mais aussi à des auteurs qui finalement, comme vous, vivent loin de leur pays d'origine, puisque je le rappelle, vous êtes né, vous avez grandi au Sénégal, vous avez fait vos études en France, vous êtes, je crois, le premier étudiant sénégalais, je ne sais pas si c'est sénégalais ou africain, à avoir intégré l'école normale supérieure à Paris, c'est ça ? Alors, l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, oui, en tant que sénégalais, mais pas en tant qu'africain, et je le dis parce que le premier africain dans ce cas-là, c'était Paulin Houtondji, le philosophe du Bénin. Et je profite de cette occasion pour m'incliner devant sa mémoire. Il est mort il y a très peu de temps. Et c'était vraiment précisément parce que j'étais son bisu, étant entré plusieurs années après lui à l'école normale supérieure, il était un peu mon mentor. Alors ensuite, en tout cas, après quelques années à avoir enseigné au Sénégal, vous êtes installé aux États-Unis, vous enseignez à l'Université de Columbia. Ça me donne envie de vous demander de quel endroit pensez-vous, de quel endroit écrivez-vous ? D'un peu tous les endroits. Et je prends, si vous me permettez, je vais citer le dernier livre que j'ai écrit, qui est un livre consacré à la traduction, et qui a pour titre « De langue à langue ». Et la raison pour laquelle je cite mon livre, ce n'est pas simplement pour en rappeler la teneur, mais pour dire que justement cette expression « de langue à langue » est le lieu de la créativité, c'est-à-dire le passage d'une langue à une autre. J'écris
pour l'essentiel encore mes livres directement en français, les articles je les écris en anglais. Mais passer d'une langue à l'autre, passer d'un continent à l'autre, c'est quelque chose qui permet aussi la réflexion, qui permet de penser le monde dans sa totalité et de produire le travail que je suis en train de produire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, j'écris vraiment entre ces trois continents qui sont les miens, entre ces trois villes qui sont les miennes, New York, Dakar et Paris, bien évidemment. Et aujourd'hui, la première identité qui vous vient, c'est laquelle? Tout dépend des circonstances. Il y a des circonstances dans lesquelles c'est mon identité francophone qui vient à la surface. D'autres fois où, au fond, je me sens quasiment Yankee. Quand je suis aux États-Unis et que je suis avec les collègues et que nous réfléchissons ensemble à des thèmes qui sont les nôtres aujourd'hui à Columbia. Et puis, évidemment, quand je rentre à Dakar, là, c'est le Sénégalais, le Wolof et enfant de Saint-Louis, puisque vous l'avez rappelé, qui prend le dessus. Puisqu'on parle de langue, et c'est ce à quoi on réfléchit aussi ici aux Flammes, c'est vrai que la culture africaine, depuis des millénaires, repose sur l'oralité. Finalement, est-ce que tout ça est compatible avec les mots? Comment est-ce qu'on articule ces deux choses, l'oralité et l'écrit? Mais je crois que le continent est précisément le lieu d'articulation des deux. L'Afrique, c'est en effet massivement une tradition orale, mais c'est aussi une tradition d'érudition écrite. Et ce mariage définit, au fond, le continent africain. Aujourd'hui, l'oralité ne disparaît pas, elle continue encore à nourrir, me semble-t-il, la créativité. Je crois que l'oralité comme rapport à la langue continue d'être présente, y compris dans l'écrit. Et c'est ce que j'aime dans la littérature, quand je lis Alain Mabankou, quand je lis Waberi, j'ai le sentiment que leur écriture est encore habitée par cette oralité qui définit, en effet, la posture africaine dans le monde. Alors, le continent africain traverse en ce moment de nombreuses crises. Hein. On l'a vu avec les différents coups d'État dans la région du Sahel. Et puis récemment, dans votre pays, le Sénégal, le report des élections. Quel est votre sentiment face à toutes ces crises et notamment ce qui se passe en ce moment au Sénégal? Mon sentiment est un sentiment de tristesse et aussi de colère, finalement, parce que bon, la colère est assez inévitable. Tristesse de voir, par exemple, trois grands pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger décider de sortir de la CEDEAO. Le continent allait vers la démocratie généralisée. Le continent allait vers son unification. Et ces retours en arrière sont absolument insupportables. La situation dans mon pays mérite également. Et encore une fois, il y a de quoi être en colère. Parce que j'ai toujours pensé que le Sénégal a connu des crises. Nous avons parfois semblé marcher au bord de l'abîme. Mais j'ai toujours été confiant parce que j'ai confiance dans les institutions sénégalaises. La démocratie sénégalaise nous vient du plus profond de notre histoire. Nous avons une tradition qui consiste à voter qui nous vient du 19e siècle. Cela, il faut s'en souvenir, parce que le Sénégal avait des communes de plein exercice dont les habitants étaient des citoyens français et qui donc votaient depuis la fin du 19e siècle. Et cette histoire-là est ce que nous portions en nous-mêmes, ce qui créait cette exception sénégalaise, ce qui créait ce contrat social sénégalais particulier. Et donc, personne n'a le droit de ne pas être le continuateur d'une histoire comme celle-là. Quand ce sont les institutions elles-mêmes qui sont frappées par la crise, il y a en effet de quoi s'inquiéter. Maintenant, le vin est tiré, il faut le boire, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle date arrêtée pour les élections. Il faut espérer qu'un consensus s'organise autour de cette nouvelle date. Mais il faut à tout prix que nous redressions les choses et que nous fassions en sorte que le Sénégal reste le Sénégal. On va revenir et terminer avec la culture, la littérature, les mots et la pensée pour finir cette interview. Justement, face au bouleversement du,
du monde que peuvent les mots et que peut l'écrit, à votre sens? Je crois qu'il ne faut pas désespérer de ce que peuvent les mots et de ce que peut l'écrit. C'est-à-dire que les mots et l'écrit, cela porte notre exigence d'humanité. Dans la pire des fragmentations, et nous vivons une fragmentation qui est mortifère, aujourd'hui, nous le voyons avec les horreurs que nous pouvons voir nous s'étaler malheureusement sur nos écrans de télévision chaque soir. Dans un cadre comme celui-là, il faut quand même pouvoir parier sur l'humanité de l'humain. Il ne faut jamais désespérer de l'humanité. Et d'une certaine façon, les écrivains, les hommes et femmes d'imagination, d'écriture, qui sont un peu à l'écoute des promesses de l'avenir, nous permettent d'y croire. Et bien, on va finir sur cette belle note d'espoir. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne, d'avoir partagé justement ces réflexions autour de l'Afrique et de la littérature. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pour ce numéro spécial depuis Marrakech. Restez avec nous sur France 24. Cette semaine, je reçois le plus parisien des stylistes du continent africain, Imane Aïssi, le premier à avoir intégré le club très fermé de la haute couture française. De la boxe à la fashion week en passant par la danse, il nous parlera de son parcours hors des sentiers battus. Les Africains, ils ont toujours consommé le luxe des autres. Il est temps que l'Afrique puisse concevoir, monter sur leur propre plateforme de luxe. Ensemble, nous irons découvrir les œuvres du virtuose de la chromatique Chéri Samba au musée Mayol. Et puis une rencontre avec un autre peintre, celui qui représentera le pavillon sénégalais à la Biennale de Venise, Alioune Diagne. Le Paris des Arts d'Imane Aïssi a retrouvé très vite sur France 24.